Bonjour, je m'appelle Emmanuel des Tendances Emma. Je vais vous montrer aujourd'hui comment enlever une tache de sauce tomate sur un tissu. Pour enlever une tache de sauce tomate, vous avez besoin d'une serviette en papier, de bicarbonate de sodium et dans un deuxième temps, vous aurez besoin du vinaigre blanc, de l'eau et du savon de Marseille. Première étape, il faut d'abord enlever au maximum la tache que vous venez de faire. Donc, comme d'habitude, toujours on travaille la tache le plus rapidement possible après qu'elle ait été faite. Vous absorbez un maximum, toujours avec une partie propre pour ne pas retacher d'autres endroits du tissu. On va dans un second temps utiliser du bicarbonate de sodium. Vous mettez le bicarbonate de sodium sur la tache et vous laissez agir environ un quart d'heure. Au bout d'un quart d'heure, vous allez enlever tout le bicarbonate de sodium présent sur votre tache. Et derrière, vous préparez un mélange composé de 250 ml d'eau, 250 ml de vinaigre blanc, et vous allez frotter au savon de Marseille très délicatement. Quand vous voulez détacher un produit, vous frottez toujours le plus délicatement possible. Il vaut mieux frotter longtemps que de frotter fort. Et vous rincez dans ce mélange. Vous avez ainsi prédétaché votre tache. Il vous suffit de la passer dans votre machine à laver avec votre lessive habituelle. Voilà le résultat une fois que votre produit est lavé et séché. Vous savez maintenant comment enlever une tache de tomate sur un tissu.